Bonjour YouTube, vous allez regarder tout de suite un récap du live que j'ai fait mercredi midi, à la fois sur YouTube et sur Twitch, d'un live donc sponsorisé par Arturia à propos du Keylab Essential 49. Voilà, on a regardé un petit peu toutes les fonctionnalités, comment on allait l'utiliser avec Analog Lab V, mais aussi avec Ableton Live. On a fait un petit peu de musique, donc très bon visionnage à vous. On va commencer par le commencement. Donc là, j'ai le Keylab Essential 49 qui est branché donc en USB-C. Il y a une petite prise USB-C qui est branchée à mon ordinateur sur lequel donc est lancé Ableton Live 11 suite ici et sur lequel j'ai aussi installé le plugin Analog Lab V. Donc, ce qu'on commence à faire, déjà, la première chose à faire, c'est d'installer un script. Hein, donc ça, j'ai tout fait, la petite installation et tout ça. Et donc, la première touche importante, c'est la touche prog. Voilà, alors c'est pas pour faire du rock progressif, hein, pas du tout. Mais en fait, c'est cette touche qui va pouvoir vous permettre de passer entre le mode user. Donc ça, c'est un mode sur lequel vous pouvez faire ce que vous voulez, mais on va pas l'utiliser aujourd'hui. Entre le mode Arturia. Donc qui va vous permettre de contrôler, là en l'occurrence, le plugin Arturia Analog Lab V. Donc tous les boutons, en tout cas, vont être assignés à ça. Et le mode DO qui, lui, du coup, va permettre de contrôler Ableton Live, tout simplement. On peut aussi laisser appuyer sur le bouton PROG et grâce au pad ici, passer d'un mode à l'autre. Voilà, le mode Arturia, le mode DO, vous voyez. Donc on va commencer peut-être avec le mode DO, je pense, pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec. Bon, je passe vite fait quand même sur les molettes. Hein, molettes de pitch, de modulation, ça c'est très classique. Octave plus moins. Transposition aussi demi-ton par demi-ton, ça c'est très très classique. Les pads, il y a deux banques de pads, donc là vous allez pouvoir voir en mode DO, ce qui va être intéressant c'est qu'ils ont assigné les pads en fait comme un peu un push, c'est à dire vous lancez en fait les records, les enregistrements de chaque slot. Ça c'est vraiment un truc que moi j'utilise pas mal. Et donc quand on est en mode DO, du coup vous allez voir, on peut tout simplement dans Ableton Live lancer un enregistrement. Il y a le tap tempo aussi qui est disponible, donc vous pouvez faire taper votre tempo avant d'enregistrer tout simplement. Donc ça c'est vraiment un truc très sympa. On peut avancer, on peut actionner ou pas. Et là je lance play, voilà, je mets le clic ou pas, je vous mets, vous voyez bien, hop, je retire le clic, j'appuie sur stop, je mets la loupe, le mode bouclage ou pas. Je peux sauvegarder aussi, il y a un bouton pour sauvegarder, il y a un bouton pour quantifier. Hop, on appuie sur quantize et puis quantification, et puis ça recale tout bien, et il y a un undo, un redo, ça aussi c'est très très pratique. Le petit écran, alors lui il sert à plein de choses, regardez. Qu'est-ce qui se passe quand j'utilise les touches ici? Donc il y a quatre touches, on va dire, qui dépendent de ce qu'il y a marqué sur l'écran. Donc c'est des touches contextuelles. Donc là, regardez ce qui se passe à l'écran. Quand j'appuie sur gauche et droite, je sélectionne tout simplement la piste que je veux contrôler. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, je vais me mettre sur celle-là et je peux armer avec le petit bouton ici l'enregistrement. Donc là, je contrôle mon premier synthé. Hop, imaginons, je vais sur le deuxième. Là, j'ai pas du tout touché à mon ordinateur. Hop, je contrôle mon deuxième synthé. Ok, je vais me remettre sur le premier synthé parce que je voudrais commencer par celui-là. Et autre chose plutôt pas mal quand on est en mode session comme ça, en mode DO, c'est que si vous appuyez ici, en fait là on passe carrément en mode track control. Et regardez bien, en fait les faders linéaires ici, ils sont assignés à chaque piste. Donc là on peut en avoir jusqu'à 9. Donc là j'ai même pas 9 pistes hein, sur ma session. Donc voilà, je peux faire un mix vite fait comme ça, tranquillou. Et les faders rotatifs, vous l'avez peut-être deviné, ils sont assignés au panoramique. Regardez, hop. Donc là, non, je suis, voilà. Vous voyez, je vous mens pas. C'est vraiment assigné à la panoramique. donc voilà, ça c'est plutôt pas mal du tout. Du coup, ce que je vous propose, c'est de passer justement en mode, pour le coup, Arturia. Hop, c'est le mode 1 ici. On va ouvrir un Analog Lab que j'ai ici. Voilà.
Alors moi, ce que j'étais parti sur ce petit preset, parce que ce qui est bien avec l'Analog Lab V, c'est qu'il y a plein de petits presets. Regardez, vous pouvez explorer comme ça par style. Voilà, il y a plein de tags. Vous pouvez vraiment vraiment surfer assez rapidement dans les différents sons. Et il y en a un qui m'a fait de l'œil. Il s'appelle De Marco. Alors je pense que vu le côté mal de mer du son. Ça, avec le vibrato, je pense que c'est un clin d'œil à Mac DeMarco, qui est un artiste que j'aime beaucoup. Je me suis dit, bon, bah tiens, là, clairement, la tonique, c'est le Mi. Donc, après quelques recherches et en m'aidant de scaler notamment, je me suis dit, ok, donc là, en fait, c'est des accords diatoniques, donc des accords qui appartiennent tous à la gamme de Mi mineur, tout simplement. Donc, la gamme. Donc ça, c'est la gamme de Mi mineur. En gros, c'est une gamme plutôt easy parce qu'il n'y a qu'une seule altération. C'est le Fa qui devient un Fa dièse. Voilà, c'est que les touches blanches, sauf le Fa qui devient un Fa dièse. Donc voilà, une progression d'accords assez cool. Sachant que ce qui est cool, c'est que quand vous êtes comme ça en mode Arturia, vous voyez ici, vous avez plein de petits de réglages de macro. Voilà, d'où le jeu de mots à deux macros, deux marcos, voilà. Et en fait, bah, évidemment, vous voyez, tout ce qui est ici, ils sont assignés à la fois au potard rotatif. Le deuxième, il est assigné à timbre. Le troisième à time, etc. etc. On a aussi les faders linéaires qui sont aussi assignés à ce qu'il y a en dessous. C'est tout prêt. Et donc, il y a une fonction qui s'appelle scale. Et là, vous voyez, quand on appuie dessus, eh ben, on peut choisir tout simplement la gamme dans laquelle on est. Vous voyez, il y a tout marqué sur l'écran. Donc là, bon, ce n'est pas un hasard complet. Hein. J'ai préparé un petit peu ma session, mais donc du coup, en choisissant le route, donc j'ai choisi la note E, donc la note Mi en français. Et puis type, eh ben, du coup, vous choisissez le type de gamme que vous voulez. Et donc là, je me suis mis en tonalité de Mi mineur, voilà, tout simplement. Et qu'est-ce que ça fait du coup quand on est dans une tonalité comme ça de Mi mineur? Vous voyez, quand j'appuie sur scale, hop, ça s'allume. Et eh ben, ça fait qu'on peut plus faire de fausses notes. Et ça, c'est peut-être plutôt pas mal pour moi. Regardez. Alors attendez. Hop. Allez, regardez. Que j'appuie sur le Mi ou le Fa, ça fait un Mi en fait. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, là, j'ai activé le mode scale, ce qui fait que je reste dans ma tonalité de Mi mineur. Très pratique. Vous voulez un truc encore plus pratique? C'est le mode corde. Alors ça, c'est le mode pour ceux qui n'ont qu'un doigt. C'est très très pratique aussi. C'est-à-dire, avec un seul doigt. Oh, ça fait un accord, dis donc, c'est génial! Et en plus, un accord diatonique. Donc l'accord, il va harmoniser en fait automatiquement suivant la gamme que j'ai utilisée, la tonalité que j'ai utilisée. Donc là, en l'occurrence, quand j'appuie sur le Mi, ça me joue un Mi mineur. Quand j'appuie sur le Do, ça me joue un Do majeur. Et quand j'appuie sur le Ré, ça me joue un Ré majeur. Voilà, parce que ce sont les accords diatoniques de cette gamme. Je peux jouer tous les accords de la gamme. Bon, ceux-là, c'est les mêmes. Plutôt pas mal, hein. Donc du coup, regardez, l'idée que j'ai là en tête, c'était ces trois accords-là. Bah, je vais plus que les jouer avec un seul doigt, parce que c'était un peu trop compliqué pour moi. Bon, j'arrive quand même à me planter. Mais voilà, avec un seul doigt, c'est pas cool, ça? Cool ou pas? Sachant qu'il y a un mode arpégiateur, que je vais utiliser après. Toujours avec un seul doigt, maman, regarde. Je fais de la musique avec un seul doigt. Donc là, bah, ça m'arpège, hein, tout simplement, les accords. Et alors, là, c'est vraiment le summum. Hein. Si vraiment vous êtes un énorme flemmard, parce que là, je n'utilise qu'un seul doigt. Hein. Mais ce qui est un peu relou, là, c'est que je suis obligé de laisser appuyer le doigt. Et laisser appuyer le doigt, ça fatigue un peu. On est d'accord ou pas? Donc, il y a un mode hold. Voilà. Là, je me fatigue vraiment pas. Non, si je me fatigue. En fait, c'est pas que je me fatigue pas, mais j'utilise vraiment toute mon énergie pour la composition. Voilà.
On peut dire ça comme ça. Donc voilà, des modes, en tout cas, qui pour les non-claviéristes, comme moi, évidemment, bah c'est plutôt sympa. On va lancer le record un petit peu ou pas? Allez, faisons ça. Donc là, je suis en quel mode? Je suis en mode Arturia ou pas? Allez, je vais me mettre en mode Do. Est-ce que j'ai le clic? Ok. J'ai le clic. Ok, c'est bon. Donc là, j'ai toujours pas touché à la souris. Hein. Vous voyez, elle est ici, la souris, mais j'ai toujours pas touché à la souris. Là, je suis sur la piste que je veux enregistrer, hein, tout simplement. Hop. Donc là, je me mets, bah, du coup, je choisis hein, tout simplement le bon plugin. Vous voyez, en plus, ça ouvre la fenêtre qu'il faut. Donc là, je suis sur ma bonne piste. Attendez. Hop, je voulais pas être en arpège. On répète, c'est bien ça. Ok, ça c'est mon petit hook, c'est le truc sur lequel je suis parti. Allez, bon, on y va. 2, 3, 4. Je vais le jouer deux fois. Et ça boucle. Voilà. J'ai enregistré ma première ligne de synthé sans toucher une seule fois à ma souris, donc c'est plutôt pas mal. Alors, si j'appuie sur quantise, eh ben ça quantise, ça quantifie, je sais pas comment on dit, mais en gros ça recale tout bien. Alors le côté mal de mer, allez écouter Mac DeMarco, hein, c'est pour ça, c'est un gars, quand il joue, il met le mal de mer à tout le monde. C'est comme ça. Bon, bah écoutez, je vous propose de continuer, du coup. On va passer sur cette piste là qu'on va armer, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre? Est-ce que du coup je vais me mettre en mode, je réfléchis hein, peut-être en mode Arturia ici. Ah voilà, donc là j'ai chargé une des banques de sons. Allez, on fait un petit beat comme ça. Ok ou pas? En mode Do, voilà, et là je peux quantiser. Voilà, là, ça devrait être un peu plus carré. Merci Coramel. Bon voilà, sans toucher, sans rien toucher. C'est pas beau ça? On va sortir un petit peu nos manuels de théorie musicale et puis on va essayer de trouver un break sympa. Parce que là, on est resté en mi mineur, diatonique et tout. C'est gentilhomme, on va essayer de trouver un truc sympa pour la suite. Allez, on va repasser un autre synthé. 2, 3, 4. C'est pas carré, mais regardez, j'en ai rien à faire. Moi, d'être carré, regardez, je me mets en mode, mais là, je suis déjà en plus dans le bon mode. Donc voilà, j'en ai rien à faire. Hop, si je fais quantize, hop, voilà, là je suis carré. Ouais, toujours avec un seul doigt, hein, les petits arpèges et tout, mais... Voilà, j'ai pu rajouter un petit truc sympa, comme ça, assez facilement. Est-ce qu'il est sympa ce preset, celui-là? Et là, je suis R, là. Mais je suis R. Bon, le R du bled, du gros bled, mais je suis R. 2, 3, 4. Ok, c'est pas mal, ça. Quantize. Je suis R, quoi. Je suis R, c'est tout. Ah oui, il y a une petite dernière fonction dont je ne vous ai pas parlé, qui s'appelle Part, ici, que vous voyez ici. Je ne vais pas m'en servir aujourd'hui pour une simple et bonne raison, c'est que je suis mauvais claviériste. En fait, par contre, elle est vraiment cool, cette fonction. Quand vous appuyez dessus, vous pouvez scinder votre clavier en deux et avoir un son avec votre main gauche et un autre son avec votre main droite. Donc ça, c'est plutôt pas mal, effectivement, comme fonctionnalité. Mais je ne vais pas l'utiliser aujourd'hui. Sinon, ce petit potard aussi, bah, vous voyez, hein, je peux aussi me déplacer ici dans mes scènes.
Donc là, je sélectionne cette scène-là, typiquement, la scène 3, que je peux lancer. Voilà. Ça la lance comment? Ça la lance? Vas-y, lance. Voilà. Et là, il est cliquable, hein, l'encodeur ici. Et donc, si je me mets là... Là, je fais un petit mix, vite fait. Pareil, sans la souris. Bon, voilà, on a une petite boucle. Après, voilà, on peut faire d'autres choses. Ce que je vous propose, du coup, pour continuer un petit peu tranquillement, c'est de trouver un petit break. Je voulais profiter aussi de ce moment où voilà, je vous ai montré un petit peu comment faire une petite boucle très rapide avec le Killaby Essential. Et franchement, bah, vous voyez, hein, j'y suis arrivé assez facilement. Alors le résultat, il est ce qu'il est. Hein, ça, c'est plus lié à mon talent personnel. Donc voilà, si vous avez du talent, évidemment, vous allez faire de la meilleure musique. Ça, c'est pas... C'est easy, évidemment. Mais en tout cas, vous avez vu, avec un seul doigt, avec les petites fonctions là intégrées, que ce soit pour contrôler Ableton Live, pour contrôler le petit plugin Analog Lab V, bah franchement, moi je trouve ça plutôt cool. On peut même surfer dans les presets, hein. Je sais pas si je vous ai montré ça. Quand je suis dans le mode Arturia ici, bah vous voyez, en fait, je fais défiler les presets, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Attendez, hop, je vais me mettre sur le bon plugin, parce que là, je suis pas sur le bon plugin. Et regardez, hop, regardez, mais là, hop, voilà, on fait défiler les presets, hop, on appuie, ça charge, ah tiens, un autre preset, hop, je fais défiler, comme ça, tout ça sort la souris. Bon break, bref, ça ressemble à Daft Punk, t'es gentil, hein, Daft Punk un peu mal réveillé quand même. Donc ça, c'est ce que j'avais enregistré au début, la petite boucle. Et le break. C'est pas vrai. Si. Ouais. Non, non, non. Et voilà. Côté dramatique, exactement. Donc voilà, c'est terminé pour ce live sponsorisé par Arturia, qu'on remercie évidemment Arturia de nous avoir envoyé ce Killaby Essential 49. Je vous ai montré un petit peu comment ça marche, notamment avec Ableton Live, avec le plugin Analog Lab V qui est fourni avec, je le rappelle. Et donc, bah écoutez, suivez-nous évidemment sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous suivre sur les réseaux sociaux et à consulter le site Audiofanzine, parce que je rappelle qu'il y a un site quand même, Audiofanzine, à la base, c'est ça, hein, quand même. Donc voilà, et puis moi, je vous dis à très bientôt pour la matinale, pour On refait le patch aussi, qu'on tourne bah, vendredi midi. Donc jeudi midi, rendez-vous de la matinale en live. Vendredi midi, on refait le patch en live et puis évidemment des versions montées ou pas d'ailleurs sur le channel YouTube, sur la chaîne YouTube pour ceux qui ratent les lives. Mais bon, soyez présents en live si possible. On s'amuse bien sur les lives. Là. Franchement, on parle de plein de choses et d'autres. C'est vraiment cool. Donc, bah, merci Arthur et encore une fois et puis à très bientôt. Ciao.